Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Mars Horizon. Dans le dernier épisode, on avait lancé le premier test spatial ainsi que le premier satellite artificiel. Il va être temps d'agrandir notre base et de se focaliser un petit peu sur la Lune. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Alors on va regarder ce qu'il y a d'intéressant. Le labo de recherche, eh bien, comme son nom l'indique, hein, il fournit de la recherche, débloque la formation de la mission science. Le banc d'essai débloque la formation de la mission fiabilité de lancement. Et enfin, l'unité d'assemblage de vaisseaux spatiaux débloque la formation fiabilité de charge utile. On va plutôt partir sur le banc d'essai. Ok. Donc ça, c'est lancé. On va quand même regarder s'il y a des choses qu'on peut construire. Pour l'instant, normalement, non. Il n'y a rien qu'on puisse construire. Supprimer l'obstacle. Ça, c'est 1000K. C'est excessivement cher. 25K ici. Notre prochaine mission, hein, ce sera l'animal dans l'espace. Hein, et on a des choses à rechercher. Obstacle, supprimer l'obstacle. Bah oui. Tu veux pas me le... Ah oui, effacer. Pardon. Voilà, pour 25K. Voilà, ça nous fait un petit peu de place comme ça. Et on verra s'il y a besoin de déplacer. Ça va nous coûter de l'argent, bien sûr. Donc on va attendre plutôt. On va se regarder également si on n'aura pas une petite requête. Non. Donc on va passer le tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des craintes concernant le satellite artificiel. Après le lancement par votre agence du premier satellite artificiel, plusieurs journaux étrangers ont affirmé que le satellite représentait une menace pour la sécurité mondiale. L'Agence spatiale européenne a demandé à votre agence que votre agence publie les spécifications complètes de la charge utile de votre Dongfang Hong 1 afin de prouver sa finalité scientifique et de calmer l'anxiété du public. Vos conseillers estiment que le fait d'accepter la demande améliorera votre réputation, et bien que cette dernière gagnera probablement de la science. On va le faire. On a gagné 25 de réputation. Ils sont tellement en retard que c'est pas grave. Et ça, c'était plutôt propre. Les performances de votre agence au cours des 12 derniers mois ont été examinées et votre budget a été ajusté en conséquence. Très bien ça. 102 cas par mois. Et on est passé à 128 cas par mois. Propre. Bon d'essai de fusée, recherche terminée. Ok. Ici, il lance dans 6 mois. Votre premier défi d'étape est désormais disponible. Il s'agit d'objectifs facultatifs pour votre agence qui impliquent la réalisation de certaines étapes en échange de récompenses substantielles. Pour visualiser le défi pardon, d'étape en cours, sélectionnez la Terre ou tout autre corps planétaire pour accéder à l'écran de sélection de mission. Oui, alors je vais d'abord voir ça. 6 mois, 6 mois. Recherche terminée, nouvelle mission de requête disponible sur Terre. Ok. Vous trouverez ici votre défi actuel ainsi que l'objectif requis et la récompense proposée. Le temps restant pour le défi en cours peut être vu sur son infobulle, activé en déplaçant votre curseur sur le défi. Les nouveaux défis d'étape seront disponibles lorsque vous avez terminé ou échoué le défi précédent. Notez qu'il n'y a pas de pénalité pour échouer un défi d'étape. Par contre, récompense, moins 25% de coût de recherche de mission pendant 6 mois. Ça, c'est propre, hein.
Terminer trois étapes importantes. Ok. Radio orbitale. Ça m'intéresse. C'est difficile. Une phase. Ok. On va essayer. Plan de mission. Il nous faut une charge utile. Eh bien, on va faire la même que celle-ci que précédemment, hein. Voilà. Contrôle des missions. Recherche. Il nous faudra Spoutnik 2. Normalement. Étape importante. Spoutnik 2. Et les pièces de mission, on en a déjà potentiellement une. Ok. Donc, on va rechercher Sputnik 2. Voilà. Et ici, on va pouvoir construire le banc d'essai de fusée. Alors, on gagne plus 1 de fiabilité du lancement et moins 3% du coût de construction des véhicules. C'est plutôt pas mal. Ici, il n'y avait pas de bonus particulier. Non, là, c'est propre. Hop, on lance la construction. Et on va pouvoir passer au mois suivant. Ceinture de rayonnement découverte. Les données de votre récente mission de satellite artificiel ont confirmé que des ceintures de rayonnement piégées entourent la Terre, protégeant ainsi la planète des rayons cosmiques du Soleil. On gagne 200 de science. Et du coup, la recherche est directement terminée. Magnifique. On va également avoir besoin. Alors, étape importante pour l'animal dans l'espace. Suggestion de pièces. On a le propulseur. On va faire un scout. Normalement, ça sera fait dès le mois prochain. Fin de mission, l'animal dans l'espace. On peut faire la charge utile déjà. Donc on va la construire. Construire le contrôle de mission. Oui, c'est en train de se faire tout ça. On passe en mars 1958. Coupure de courant. Une panne d'électricité majeure pendant la construction de la charge utile Sputnik 2 pour votre prochaine mission. L'animal dans l'espace a causé des dommages importants à l'un de ses composants. Vos ingénieurs ont estimé une réduction de 10% de la fiabilité de la charge utile, qui est actuellement de 70%, à moins que le composant ne soit remplacé au coût de 100. On va payer, hein. Un étage supérieur basique à carburant solide capable de transporter de petites charges utiles en orbite basse terrestre. Nice. Là, la charge utile est terminée. Plus 10, moins 10. On va conceptualiser le véhicule. Pour la radio orbitale. Concevoir un nouveau. Charger le design. Alors, on veut longue marche. Propulseur. Oh, on va enregistrer le design. Longue marche 01. J'enregistre le design.
je confirme la construction. L'animal dans l'espace, on est toujours en train de faire la construction de ça, très bien. Cependant, on continue de construire. Le bon d'essai hein, sera terminé dans un mois. Le banc d'essai de fusée permettra des essais plus approfondis et plus rigoureux des moteurs de véhicules, ce qui se traduira par des lancements plus fiables. Le premier étage supérieur à carburant solide, ça c'est fait. On va voir ce qu'on peut faire aussi comme nouvelle recherche. Moins 25% de coût de construction, plus 25%. Eh oui, bon, ça c'est pas un problème. L'animal dans l'espace. On va en concevoir un nouveau propulseur. Longue marche 1. Étage supérieur. Ouais, on peut prendre le scout. Ça c'est beaucoup plus fiable. Mais il me faut 2 mois de plus pour fabriquer. C'est le Jupiter. Mais on gagne aussi 13% pour le propulseur. On n'a pas quelque chose de mieux. Le Jupiter serait bien, hein. Mais 8 mois de construction. Donc on va rester là-dessus. Et on va confirmer. On va retourner au système solaire. On a des recherches à faire. Avec une option de formation désormais disponible pour vos missions, il est temps de vous consacrer à un autre aspect essentiel de la croissance de votre agence, la mise en place d'un contrôle de mission. Intéressant. Le bâtiment de contrôle de mission débloque un emplacement de mission supplémentaire, ce qui vous permet de réaliser 2 missions en même temps. C'est un excellent moyen d'augmenter vos revenus de science et de soutien. Il est recommandé de débloquer toutes les options de formation à terme. Contrôle de mission, c'est ça qu'on veut faire. Oui. Labo de recherche. Assemblage de vaisseaux. Fiabilité, charge utile. On va construire plutôt le labo pour commencer. Je peux pas prendre parce que j'en ai déjà une en cours. Donc on va passer au mois suivant. À moins que je puisse construire le contrôle de mission sans avoir fait la recherche, mais j'en doute. Ouais, c'est ça, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. 150K, 1500K, ouais, c'est cher. 25K, ça c'est pas trop cher, encore. Mois suivant. On a construit le banc, parfait. Prochain mois, la recherche du labo sera terminé. 92K par mois. Hein. Parfait. Donc on va lancer le contrôle de mission. Voilà. Est-ce qu'on peut construire le laboratoire de recherche. ZX pour faire pivoter.
On gagne moins 3% de coût de construction de la charge utile. Ok, c'est pas mal. Hein. Là, il y a du positif, il y a du négatif. Ça, c'est très négatif. Donc, en fait, ici, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Moins 3% de construction de charge utile et moins 2 en coût de construction de véhicule. Tout ça, ça vaut le coup. Ils en sont où? Ils vont lancer dans un tour. L'URSS dans 4 tours. Et les A, bah, ils n'ont pas de mission de prévu. Hein. Donc je sais pas ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Orbite lunaire. Et alunissage. Pas de mission pour la Lune. On va passer en juillet 58. Course à l'espace. La perspective de lancer le premier humain dans l'espace domine les journaux. La plupart ont qualifié cette entreprise d'impossible, tandis que les médias les moins sceptiques affirment qu'une agence rivale sera la première à s'y rendre. Plusieurs personnes ont contacté votre agence pour obtenir une déclaration. Je vais gagner la course. Défi accepté. Vous avez répondu qu'il est non seulement possible mais inévitable qu'un être humain atteigne l'espace, et qui plus est, votre agence sera la première à y parvenir. Votre déclaration a suscité un élan de soutien public, mais ses détracteurs soutiennent que votre agence s'apprête à tomber. Notre véhicule est terminé pour notre mission de radio orbitale. On va se préparer au lancement. On pourrait faire une formation, hein. Du coup, l'entraînement de mission, ça nous vaudrait quoi? Alors on voit ce qui est disponible, là, ok. Entraînement par mois, plus 3% par mois, bonus max, 15%. Franchement, on a combien là? Fiabilité de charge utile, 62%. On va lancer la formation. On va fixer une date. Plus 6%. Allons-y. Et on confirme la date de l'émission. Pour l'animal dans l'espace, on est toujours en construction. Contrôle d'émission. On est en train de faire la recherche. Le Japon a échoué, par contre la NASA a réussi. Ce qui fait que normalement, du coup, sur satellite artificiel, les deuxièmes sont les Américains. Les Japonais ont perdu quasiment 9 mois là d'un coup. L'Union soviétique, si elle réussit, ce sera dans 2 mois et prendra la 3e place. Laboratoire de recherche est terminé. Et on va effectuer une mission difficile. On a gagné 6%. On est passé à risque modéré. Faut s'attendre à rater notre première mission à un moment donné. Petit bonus grâce aux bonnes conditions, donc c'est plutôt pas mal. Hein.
suite. Pour l'instant, pas bien. Nickel. Lancement sécurisé. On prend 4% là-dessus, très très bien. 3% là-dessus. Et on va résoudre automatiquement notre mission, résolution automatique des phases de mission. On l'a fait sur toutes les missions. Allez. Oui. On dirait qu'il s'est paumé. Oh non, c'est l'échec. Données récupérées 250 pendant un mois, pénalité 50 de soutien. Tant pis. IDS a échoué à Radio Orbital. On a un emplacement. On va essayer de lancer une nouvelle requête. Récompense 500K. Photographie en haute altitude. Lucratif. Ouais, avec les 500K, on pourra faire des choses. On va faire ça. Mesure ionosphérique. Hop, c'est parti. Construire la charge utile. Retour au système solaire. Le contrôle des missions est enfin recherché, on va pouvoir le construire. Animal dans l'espace, véhicule terminé, parfait. Plus 5 de fiabilité de charge utile. On va se préparer au lancement. Alors, récompense scientifique de base 1100. Non, non, on va augmenter la fiabilité. Janvier. On gagne 9%. On va monter jusqu'au mois de mars. Mesure ionosphérique. On est en cours. Du coup, recherche. Qu'est-ce qu'on veut faire? Expansion du labo. L'extension des installations de recherche existantes de votre agence signifie un développement plus rapide. Il m'en faut combien? 562. 750. On va partir là-dessus. Et on va lancer, évidemment, la construction du contrôle de mission. Alors on aurait quoi? Plus 1 de fiabilité de lancement, moins 2 de construction à la charge utile. Et là, fiabilité au lancement. On va t'installer là. Fiabilité au lancement. Le petit pourcent qui va bien. Ah, la Russie. La Russie, l'URSS plutôt, qui vient de réussir son lancement. Mesure ionosphérique. Qu'est-ce qu'il nous faut? 175 de charge utile. On va partir là-dessus. Animal dans l'espace. Dans 4 mois,
Pour l'instant, on est premier. On va passer au mois suivant. On a un nouveau radio orbital, hein. On fera le lancement d'essai après. Usine d'assemblage de vaisseaux spatiaux, recherche terminée. Alors, en mission, je veux terminer là-dessus. Notre base s'est construite ou c'est en train de se construire? C'est en train de se construire, hein. L'usine d'assemblage. La limite de construction atteinte. Non. Débloque fiabilité de charge utile. Plus 1 de fiabilité, moins 3 en coût de construction. Plus 1 en fiabilité de charge utile. Moins 2, moins 2. Plus 100 en fiabilité, moins 3 de construction. On va pas la construire tout de suite. On va se garder un peu d'argent quand même de côté. Vérification du financement dans un mois. Examen budgétaire. On n'a pas beaucoup progressé, hein. Contrôle de mission terminé dans un tour. Contrôle de mission est responsable de la phase critique d'une mission après le lancement, de la surveillance et de la transmission des commandes à un vaisseau spatial. Un emplacement de mission supplémentaire. L'Union soviétique... Oh, ça j'ai pas aimé ce que je viens de voir. Félicitations pour avoir rempli tous les objectifs du tutoriel. Votre agence a démontré son expertise technologique et a ouvert d'innombrables esprits aux possibilités du voyage spatial. À partir de maintenant, la direction de l'agence dépend de vous. Vous concentrerez-vous sur le repoussement des limites de l'exploration humaine ou sur l'exploration des confins du système solaire? N'oubliez pas d'équilibrer vos efforts de recherche dans les trois arbres de recherche et d'utiliser les emplacements de missions libres pour effectuer des missions de requête afin de renforcer vos ressources. Avant tout, explorer, expérimenter et inspirer. Bonne chance, directeur. Donc un tuto très bien fait et très complet. Donc on a un nouvel emplacement de mission. Animal dans l'espace, on est en cours. Alors là, ils nous disent quoi? Satellite artificiel lance orbite lunaire dans 12 mois. Attendez, orbite lunaire, ils sont sérieux? Ça, c'est en train d'être effectué. Ok. Alors, on va se lancer une petite requête. Lancement d'essai. Plan de mission. Il nous faut un véhicule. La fusée sonde. Et Alpha 1. Et je confirme. On retourne au contrôle des missions. Et on va passer au mois de mars 59. Enfin, je l'ai pas vu venir ça de la part des Russes. Mesure ionosphérique, véhicule terminé. On va préparer le lancement du coup. Date optimale, mission de lancement. Allez, c'est un moment décisif.
Lancement de la mission Le Premier Animal dans l'espace. Évidemment, il pleut, hein. Est-ce qu'on va vouloir repousser le lancement? On va reprogrammer. Ou pas. On est à moi. Ah non, non. Ah, on a fait une terrible erreur là. Une terrible erreur. On va pas en avril. On va partir en avril. Ici. Qu'est-ce qu'on veut? 50%, allons-y. On fixe la date. En avril également. Et on passe le mois. Un débat à ciel ouvert, un symposium mondial est en cours pour établir les lois concernant l'espace territorial pour les satellites en orbite. Le traité proposé stipule que toutes les nations devraient avoir un accès libre à l'espace. Vos conseillers pensent que le fait de soutenir le traité améliorera les relations diplomatiques avec les autres agences spatiales, même si le fait de s'y opposer peut être populaire auprès de certains de nos médias. On va soutenir le traité. Plus 10 de réputation auprès des autres agences. On bosse pour l'humanité tout entière, donc évidemment on est pour. Alpha 1 est prête. Allez, animal dans l'espace, on remet le couvert. Bon, cette fois-ci, il pleut pas. C'est nuageux quelque peu. Bonne condition, plus 7%. Ah non, ça c'est le lanceur mesure ionosphérique. Allons-y. Yes, c'est une réussite de justesse. À niveau 5 pour longue marche 1, parfait. Résolution automatique. Parfait. Et on gagne 500K. Avec 500K, on pourrait supprimer ça et supprimer ça, ça nous ferait un peu de marge. Ouais, c'est ce qu'on va faire.
Ok, ça c'est plutôt propre. 150K, c'est très cher. 1500K, c'est excessif. Si on doit s'étendre, ça sera par là. Hein. 150K, c'est ce qu'il y a de moins cher. Ou ici, également. Mission active, on a un emplacement disponible. Date de lancement, mois d'août. Et l'emplacement de mission, eh bien, ce sera évidemment pour la Lune, orbite lunaire. Suggestion de pièces pour véhicules. On a déjà pas mal de points. Masse 350 kg. Il nous faudra quelque chose à 350 kg. Hein. On a déjà deux missions actives. On est prêt au lancement. Et ben allons-y. Oh, sérieusement, il pleut encore? Allez, on y va, 61%. On va pas encore repousser, hein. Yes, ça passe. Lancement sécurisé. Allez, Jupiter gagne un petit pourcent. C'est toujours ça de prix, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On pourrait faire... On va faire ça. On est à 2. On va vouloir recharger l'énergie. Retour signal. Ou bien on fait ça. Non. On confirme. Là, on est plutôt pas mal. Donc là, tu vas me faire ça. Et ça.
Ah, on foire. Allez, on résiste. Et comme ça, ça passe. Et là, ça passe juste, juste. Hein. Le dernier tour, on complète la tâche. On va pas s'embêter avec la tentative d'avoir un bonus. $188 de soutien, c'est cool. Et 550 pendant 2 mois, ça c'est parfait. Du coup, on va pouvoir terminer la recherche au prochain tour. Et on n'a plus de mission active. On a encore des requêtes, hein. Lancement d'essai, photographie, voir le plan. Mission en cours, ça c'est en train d'être fait. Imagerie satellitaire, il nous manque pas mal de choses. On pourrait refaire la radio orbitale. Modificateur. On va tenter la radio orbitale. Charge utile. L'unissage avec équipage, ok. Recherche terminée. Ok, on va partir là-dessus. Non, pas la Terre, la Lune. Orbite lunaire, oui. Plan de mission. Ça pèse 350 kg. On va lancer des recherches du matériel. Capacité 500 kg. 500 kg. Ah bon, on est bon alors avec ça. Par contre, on va lancer ça pour commencer. Jupiter, recherche terminée. Parfait. On avance plutôt bien à ce niveau-là. Radio orbitale, conception du véhicule. C'est pour la radio orbitale. Réutiliser le design. Longue marche 01. Oui. Et je confirme. Orbite lunaire, on est en train de fabriquer. Là, faut qu'on attende avant le départ. Propulseur Algol. Je voudrais faire les bâtiments ensuite, hein, évidemment. Imagerie satellitaire, ouais. On va vouloir faire ça également. Algol, recherche terminée. Magnifique. Orbite lunaire, charge utile.
d'utiliser le design Longue Marche 1. Ça devrait le faire. Je confirme. En recherche. Alors, en recherche, on va avoir imagerie satellitaire. Donc, satellite d'observation. Sur la Lune, on va avoir alunissage avec équipage. Donc, on veut s'orienter là-dedans. Alunissage avec équipage. On est très très loin. Hein. Donc faut qu'on avance. Hein. Il nous faut ces deux-là. Là. Et on passe au mois suivant. L'année géophysique internationale, une initiative mondial visant à obtenir davantage de données géophysiques sur la Terre se déroulera dans 3 ans. Les organisateurs ont demandé à votre agence de lancer un satellite pour collecter des données requises. Si votre demande est acceptée, votre agence devra compléter la mission imagerie satellite dans les 3 ans. Suivant la date actuelle, vous recevrez 750K immédiatement et 750K en cas de succès. Oui. Bien évidemment. Allez, mission de lancement. Ah, l'imagerie satellitaire, on veut le faire. Donc c'est tout bénef. Bonne condition, parfait. Moins 25% de récompense de mission. Dommage. Endommagement des systèmes. La fusée sonde. On augmente ses capacités, c'est très bien. Hein. Eh oui, c'est un petit bonus hein, du coup. Alors, du coup, en matière de science, il nous faut la charge utile pour le satellite d'observation. On a 3 ans, hein, donc on est large. Hein. Là, on a 2 fusées qui sont terminées. Mission terminée, première place. C'est parfait, on va partir sur l'imagerie. Et ici, on est parti sur l'orbite lunaire dans 5 tours. Hein. Dans 5 mois, ils y arrivent. Alors que nous, on est loin. Hein. On est super loin. On va quand même tenter d'avancer là-dessus. Hein. Est-ce qu'on a des missions de RAB? On a un emplacement. Radio orbitale. Avec un carburant expérimental. Test de radiation sur les animaux. Lucratif. Pourquoi pas? Charge utile, on part là-dessus.
L'ESA a échoué sur satellite artificiel. Eh ben dis donc, l'ESA, ils ont un peu de mal, hein. Parce que satellite artificiel... Alors, ils avaient raté le lancement d'essai. Là, ils ratent le satellite artificiel. L'animal dans l'espace. Ok, là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici en étape importante? Rien, pour l'instant on avance. Ici on a beau faire tout ce qu'on peut, on est un peu mal. Satellite d'observation sera bientôt terminé. Problème de composants, on a déjà eu, donc on remplace. Même si ça coûte cher. Test de radiation sur les animaux, charge utile terminée. Utiliser le design. Non, pourquoi? Parce que 350 kilos. Sputnik 2. Concevoir à nouveau. Orbite terrestre. Lune. Pulseur. Là, on est bon. Trois mois. Ouais, on va prendre ça. Et on confirme. Là-dessus, on est bon. Le satellite d'observation va se terminer maintenant. Parfait. Radio orbitale, véhicule terminé. On va se préparer au lancement. On va lancer en mars. Parfait. Orbite lunaire. Dans un mois, dans deux mois. La NASA lance orbite lunaire dans 6 mois. Le Japon dans 6 mois également. L'ESA lance dans 8 mois le satellite artificiel, donc on est large. Les Russes orbite lunaire dans 12 mois. Et ouais, ils y sont presque, hein. On va terminer deuxième, voire troisième, voire quatrième même. Aïe. Là-dessus, on est bon. Ça fait quoi le groupe électrogène? Générateur de secours permet d'éviter la perte de puissance des installations vitales en cas de panne de surtension. Moins 20% au coût de construction de la charge utile. Non, non, on veut continuer sur les missions. Homme dans l'espace. Thank you.
On est plutôt pas mal pour le moment. Si on regarde un peu où on en est dans nos étapes importantes, pour l'imagerie satellitaire, on va se mettre plutôt sur mission active. Voilà, radio orbitale, on a planifié le lancement. L'orbite lunaire, encore un mois et la fusée sera terminée. On pourra la décider de quand la lancer. Et ici, dans 2 mois, on aura terminé ça. Ok. On va juste passer au mois suivant. Fièvre des ovnis. La découverte de débris susceptibles d'appartenir à un ballon sonde a déclenché une vague de théories du complot autour des ovnis. Plusieurs magazines douteux ont demandé à votre agence de faire des commentaires, tandis que vos chercheurs demandent instamment de rejeter de telles histoires. Votre équipe de RP a noté le potentiel dévier l'intérêt pour l'exploration spatiale. On va encourager la spéculation. Ça nous vaut 100 de soutien. Orbite lunaire, véhicule terminé. Parfait. On se prépare au lancement pour l'orbite lunaire. C'est de la science. Non, on veut de la fiabilité. Quand est-ce qu'on peut lancer? Janvier, en même temps que les Russes. On va tenter. Date sous-optimale, oui. Voilà qui est assez ballsy de notre part de tenter ça. Dans le meilleur des cas, est-ce qu'on prend la première place? Est-ce qu'on est premier ex aequo? Telle est la question. Tout comme allons-nous exploser en plein vol? Et notre choix sera-t-il le plus mauvais? Nous le saurons dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode de Mars Horizon vous aura plu, n'hésitez pas à m'en faire le retour au travers du clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez, le partage c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.